dégager cette soupçon que j'avais commencé à mettre n'importe quoi, que je n'avais pas fait complet en fait. Dans la fonction, voilà, plus simple pour vous. Alors, on avait dit qu'il nous fallait une fonction. Bien sûr, ma classe utilisateur. Donc, l'utilisateur, on a besoin maintenant d'informations spécifiques. Et donc là, hein, c'est des méthodes qu'on n'a pas forcément vues dès le début. Alors, effectivement, on pourrait dire le nombre de messages utilisateurs, c'est une fonction dont j'ai besoin. Mais on ne l'a pas forcément vue dès le début. Donc, on la code quand on en a besoin. Donc, la fonction qu'on vient de voir dont on a besoin, c'est de récupérer si on a des messages, si on a au moins un message. Alors, est-ce qu'on a au moins un message, hein, c'est ça la fonction qu'on veut. Alors, on a plusieurs façons de la faire. On peut se dire, bon, mais pas, je fais directement ma fonction qui liste les messages et que du coup, je les compterai. Mais bon, ça veut dire que bêtement, je vais lister tous les messages, charger tous les messages uniquement pour savoir combien on est. On pourrait se dire, je vais systématiquement les compter, et en fait, le test, à la place de dire, est-ce que j'ai un message, ça va être, est-ce que mon nombre de messages est différent de 0. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Hein. Alors, si on voulait optimiser un petit peu plus, parce que là, compter tous les messages, ça veut dire qu'effectivement, on va quand même parcourir toute la table des messages pour trouver cet utilisateur-là. Donc, c'est indexé par utilisateur, donc ça va aller assez vite, donc effectivement, ça va pas être ça. Donc après, idéalement, il faudrait plus avoir une fonction qui compte les messages, donc avec une requête spécifique de count, et à la place de sélectionner compte, on va quand même plus vite, pour récupérer, je vais vous la montrer. Mais on pourrait aussi se dire, ok, je vais faire un truc qui en détecte j'en ai un, donc qui en gros fait un select avec un limitant. Donc en gros, dès qu'il y a un problème, ça arrête. Donc en faisant comme ça, ça fait une requête plus rapide. Donc si vraiment vous avez des grosses bases, effectivement, vous aurez intérêt, quand vous avez des grosses bases, vous avez intérêt à avoir des fonctions ultra spécialisées pour avoir des fonctions qui ne vont pas chercher des informations pour rien. Donc après, si on vraiment on peut optimiser, on peut aussi un peu enrichir la base, mais là, on prend des risques d'avoir des choses incohérentes dedans. Et donc, on pourrait aussi avoir dans le champ utilisateur un compteur qui, dès qu'on fait un message, l'ajoute. On va dire dans le nombre de messages. Quand on fait ça, attention, on a intérêt toujours en PHP, parce qu'il faut vraiment être sûr qu'on a créé quand même la valeur ajoutée. Donc, c'est moins cohérent au sens base de données, mais on a souvent besoin quand même de faire ce genre de choses pour être... Pour être plus rapide. Alors après, il y a des techniques pour l'implémenter dans la base, pour être sûr que ça ne compte pas les images. Donc là, je vais faire un truc qui compte les messages. J'ai mes messages, je m'en français. Le nombre de messages. Ah. Cette fonction-là. Son rôle, c'est de retourner le nombre de messages alors, pardon, on va l'appeler nombre de conversations quand on aura déjà la commande quand même. On aura des choses. Le message est un peu complexe. Voilà, c'est l'utilisateur chargé, hein, c'est pas forcément l'utilisateur au sens connecté. Ensuite, donc, je pousse le rôle à ça, le retour, et les paramètres, j'en ai pas besoin, hein, puisque l'utilisateur, je l'ai déjà chargé. Hein. Je vais sur un objet que j'ai avec son constructeur, si je voulais un ID, je le prends. Donc, si effectivement, j'ai pas l'utilisateur chargé, il est évident que j'aurai pas d'ID, donc ça retournera à zéro. Je vais le tester tout de suite d'ailleurs. Hein. Ça évitera d'avoir des bugs sur l'utilisateur. Sur les ID, c'est pratique de faire un empty, comme ça groupe un petit peu tout. Donc là, je m'affranchis du cas où je vais charger l'utilisateur. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai forcément besoin de passer par la classe message, hein, puisque je vais faire une requête sur la classe message.
autant je parle de l'utilisateur pour savoir qui c'est, mais autant l'accès à la base de données, hein, je vous dis dans les façons dont on leur catégorise les objets, l'accès à une table, on va toujours le faire dans la classe principale qui est censée gérer l'objet par rapport à cette table. Donc là, comme c'est dans la classe message, je vais me prendre un message. Et on va du coup devoir faire l'attention dans l'objet message. $message égale new message. Je ne vous passe pas l'ID, hein, je veux la classe message uniquement pour faire une enquête de comptage, donc c'est un petit peu comme mes listes. Dans ma classe message, je vais devoir ajouter, je dois me doter d'une fonction. Je dois donner une fonction public fonction mb message. Je n'ai pas de raison qu'elle ait un autre différent. Par contre, son rôle est un petit peu différent parce que je ne suis plus sur l'utilisateur. Donc son rôle, c'est retourner, compter le nombre de messages d'un utilisateur. D'accord. Le retour, c'est le nombre de messages. D'accord. Et les paramètres, ben là, je ne suis plus sur compter le nombre de messages de l'objet courant, hein, je suis sur compter le nombre de messages d'un utilisateur. Donc il faut forcément que je donne l'utilisateur. Donc le paramètre, il faut que j'ai l'utilisateur, que je vais peut-être pouvoir donner son ID, hein, c'est plus simple à échanger ici. Ça pourrait être un objet utilisateur où je passe l'objet, ça pourrait être les deux. On va dire, on passe l'ID. Donc je vais pouvoir me servir de cette fonction-là. Donc, du coup, ce que je vais retourner, c'est le nombre de messages qui ont compté par ma classe message. Et là, il faut que je passe l'utilisateur, c'est-à-dire mon ID. OK? Donc, sur les logiques d'utilisation des objets, de manière à, effectivement, quand je suis dans mon template, je parle d'un utilisateur. Donc, j'ai aucune raison de causer la classe message. J'ai pas d'objet message sous la main, hein, parce que je suis en train de parler à l'utilisateur, là. Parce que je suis dans mon entête de connexion, mon entête. Donc, le seul truc que j'ai, c'est l'utilisateur connecté. La seule chose à laquelle j'ai accès. J'ai pas accès à une classe message. J'ai pas de raison. Par exemple, je m'occupe de ça. Donc, je vais prendre l'utilisateur connecté, qui est un objet que je connais, puisqu'il faut que je vous que mes templates le connaissent. Je lui demande son nombre de message. Donc, je lui demande à l'objet. Donc, je lui implémente la fonction. D'accord? La méthode. Donc, je lui donne une méthode qui me donne le nombre de message. Par contre, cette méthode, vu que le nombre de messages, ce n'est pas une information que je trouve dans une table qui est pilotée par cette classe. Cette classe est pilotée à la table d'utilisateur. Du coup, le vrai cœur de la fonction, le détail de la fonction, je vais le déléguer à la classe message. Donc du coup, je sais en faisant ça que si jamais j'ai une évolution de mon modèle conceptuel ou de mon modèle physique, l'un des deux, au niveau des messages, l'impact ne sera que dans les messages. Alors, bien sûr. Si ça ajoute des champs que son enlève, que j'utilisais dans les templates, ça va aussi avoir un impact comme ça. Mais en tout cas, des petits changements, des ajouts qui ne sont pas utilisés ailleurs, mais il faut quand même que je prenne en compte dans les requêtes pour écraser des trucs, par exemple, quand c'est une mise à jour ou une modification, il faut quand même faire attention de ne pas perdre des morceaux qu'il y a. Hein. Ou des tables plus complexes, c'est-à-dire un champ qui était simple, qui devient multiple, par exemple. Hein. Du coup, je sais que j'ai qu'une seule classe à toucher. En faisant comme ça, quand vous aurez l'habitude, vous aurez presque plus besoin de détailler de documenter votre modèle conceptuel, puisqu'en fait, votre description de vos attributs qui est en tête de cette classe, ça nous suffira pour comprendre comment ça fonctionne. Je ne conseille pas de le faire maintenant, mais effectivement, on va pouvoir avoir la description entière ici, on sait tout ce que ça concerne que là. Donc, effectivement, ma requête, je la mets dans ma classe message. La requête, hein, c'est quoi? C'est toujours le même modèle. Si je prépare une requête, et là, je vous ai dit, alors vous pouvez le faire effectivement avec un select, mais on a un mot-clé spécial quand on ne veut que compter, qui est effectivement plus efficace, qui est count. Non, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai un nom. Je ne suis pas sûr qu'on a tout, on va l'expliquer aussi.
Oui, non, mais oui, c'est une fonction. Je sais pas pourquoi je pense que je vais en. Parce que je vais vraiment, c'est une fonction. Pourquoi j'ai fait plus. Ouais, non, je l'ai dit, c'est un pourquoi d'un seul coup, je me suis fait mettre dans la couche. Pourquoi d'un seul coup, j'ai pensé qu'il y avait un départ. Donc, c'est un select où je vais compter, par exemple, l'ID, les ID. Donc, le faire count d'étoiles, ça suffit. From à ma table message. Et puis, du coup, je veux compter lesquels. Enfin, je veux aller chercher lesquels dans la table message, ben, c'est ceux dont l'expéditeur, donc ça la condition que j'avais déjà, hein, la condition c'était expéditeur égale user ou c'est ça la condition. Puisque je veux les messages d'un utilisateur, donc la condition c'est que soit l'expéditeur, soit le destinataire. Et donc en faisant count, hein, ça va me prendre, à la place de me retourner une ligne à chaque fois, ça va directement me compter le bah, nombre d'ID, donc nombre de aussi. Et si je tire count de l'étoile, c'est pas. Donc cette requête, bah, je vais la passer. Alors je vais par contre, j'ai encore mon paramètre. User, là je vais appeler ID. D'accord, je l'exécute. Spéciale pour ça. Donc on exécute la requête. On récupère la première ligne. Alors là, on va mettre un alias pour être sûr de ce qu'on récupère. Comme ça, on n'aura pas d'ambiguïté sur le nom auquel on récupère. Et du coup, bah, c'est quoi le nom qui nous intéresse? Si la ligne est nulle, sur un coup, normalement, on devrait pas avoir le temps. Le nom aurait dit que c'est 0. D'accord, hein? Si on n'a pas récupéré d'informations dans la base de données, on en déduit qu'il n'y a pas de message. Et si on a récupéré l'information dans la base de données, eh ben, l'information, c'est le fameux nombre qu'on a récupéré, donc ce $D, la ligne qu'on a récupérée, et le compte qu'on a mis sous le nom MB. Grâce à notre alias. Ok? Ça va ça? Si vous ne connaissez pas l'existence de count, hein, bah vous faites votre select habituel, et puis après vous comptez les lignes à la main, ou vous faites une fonction que s'il y a au moins une ligne, ou alors vous allez récupérer une orientation approximative, derrière le select vous allez récupérer la propriété row count, là, ou row count, hein. Donc, il y a une valeur approximative, le count donne une vraie valeur, enfin on s'en fiche à ce stade-là, hein, parce que ça donne une valeur approximative quand on en a beaucoup, quand on a 10 000 messages, ça nous dit 10 000 1 à la place de 10 000, ça a rarement une importance considérable, même si c'est pour afficher le nombre de messages. Ok? Et bien là, du coup, hein, notre fonction mbMessage est finie. Donc, je vais pouvoir faire le fameux test si on a échangé des messages, c'est-à-dire si mon utilisateur connecté son nombre de messages est supérieur à 0. D'accord? Bah, s'il a des messages,
je vais inclure le fragment qui s'occupe de la mise à jour. Donc, je vais rajouter les deux messages. D'accord ? Hein, donc là, j'ai finalisé. Alors, ça, c'est mon message. Donc, mais là, j'ai finalisé le code et les implications que j'ai dans mes objets métiers pour effectivement faire que ce bloc-là, je l'affiche ou pas. Alors, en fait, ce bloc-là, effectivement, voilà, le composé, c'est le même morceau. Mais, bon, mais les deux morceaux, je m'en occupe. Oui, je m'en occupe pas de ce stade-là. Hein. Je ne mets jamais toutes les difficultés en même temps. C'est-à-dire que ce bloc-là, effectivement, je sais que j'ai un bloc que j'affiche ou pas. Donc, je gère, je l'affiche ou pas. J'ai besoin d'avoir une condition. La condition, je me suis dit à qui je vais demander, à quel objet parmi tous les objets disponibles, j'en ai très peu dans mon template, à quel objet je peux demander ça. Bah, de toute façon, le nombre de messages pour envoyer à priori, c'est un utilisateur, je demande combien de messages. Donc je me fais une fonction directement. Donc la problématique de la requête, de la fonction, de comment, elle est repoussée ailleurs. Au niveau de mes templates, je me contente d'aller chercher un test le plus simple possible. Alors, le plus simple aurait été, est-ce que j'ai des messages? Bon. Après, ça veut dire que c'est des tas de fonctions, alors c'est jouable aussi, hein, mais le nombre, c'est un peu aussi. Par contre, ce n'est pas les messages non lus que je prends là, hein, parce que je dois afficher, l'accès à la messagerie, même si j'ai mis tous les messages. OK ? Bon, bah, maintenant, je m'intéresse à mon petit header complémentaire. Donc là, j'ai mon header underscore MJ. Celui-là. Un peu pour les deux, on pourrait être aussi dans le pied de page ou ailleurs dans la page. Après, il faut quand même le concevoir intelligemment. Donc, variable initialisée est toujours néant, parce que c'est toujours sous l'utilisateur connecté. Je ne suis toujours pas sur un truc qui traite un ID particulier. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir chargé un objet particulier au utilisateur courant. Ce petit header-là, j'ai besoin d'en faire quoi? Alors, pour quand même regarder comment j'ai dans l'entraîneur, on va le faire quoi? Ici. On avait fait une div pour l'utilisateur, donc on va faire un div, hein, il n'y a pas de raison. Donc c'est le div. Bon, là on lui met des classes. Moi je mets pas mal d'ID pour ces choses-là uniques, mais par contre, sur mon ID, c'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'on ne répète pas la même chose dans le pied-page. Après, là c'est comment. Là-dedans, qu'est-ce qu'on veut mettre? On veut mettre l'icône d'accès à la messagerie. D'accord? Et puis le nombre de messages pour pouvoir le coller sur l'icône. D'accord? Alors après, ça va être cliquable, donc on va décider ce qu'on rend cliquable, soit que l'icône, soit toute la case. Ça peut pas forcément y avoir toute la case cliquable. Après, on met où on veut, là je vais le mettre sur l'icône. En mettant sur l'icône, il faudra faire attention parce que quand on va coller le nombre de messages, on risque d'avoir une petite partie pas cliquable. Hein. Donc, si l'icône est petite, il faut peut-être mieux rendre tout petit. Peut-être mettre le href sur ton petit. Donc là, il me semble que c'est un href qu'on a déjà, mais destiné conversation, voilà. On a déjà, mais pas qu'on n'a pas écrit, par contre, hein, on a des conversations qu'on a déjà. Voilà, et du coup, là, a priori, c'est plutôt l'image. Mais comme on n'a pas d'image. Ça, mais enfin là, pour la même image.
ou le gérer avec, avec le CSS, hein, comme vous voulez. OK. Et puis, on va devoir aussi greffer, effectivement, le petit objet. Bon, bah, de toute façon, lui, je n'ai pas grande importance dans quoi je le mets, ça peut être un span, c'est une information très courte. Il faudra déjà la chercher correctement. Et là, je vais greffer le nombre de messages. Puis après, c'est le CSS qui va l'afficher correctement. Donc, le nombre de messages, ben, c'est à nouveau du PHP. Ça va être à nouveau dans mon utilisateur connecté. Et là, c'est le nombre de messages non lus. Il va falloir qu'on voit cette fonction dans le message non lu, en tout cas, pour l'instant, si on fait comme ça, c'est bon. OK. Dans mon utilisateur, j'étais à mon nombre de messages non lu. Alors après, sur des fonctions comme ça, hein, qui se ressemblent, vous avez deux logiques. Soit vous faites bien des fonctions différentes, soit vous faites des fonctions avec des paramètres. Hein, c'est-à-dire que je rajoute, je veux les noms lus, et du coup, je rajoute un paramètre. Là, il n'y a pas de, pas vraiment de préférence. Moi, je fais souvent la fonction principale qui a un nom différent parce que ça évite de connaître des tas de paramètres. Mais par contre, après, j'ai pas une méthode interne, une méthode private. Qui elle, enfin, une méthode protected, qui elle va avec des paramètres pour retirer la requête. Donc là, c'est nombre de messages non lus. Hop, même type, et là, nombre de messages lus. On va voir ce qu'on met ici. Donc dans mon message, il me faut une fonction nombre de messages non lus. Nombre de messages non lus, c'est la même logique, hein, mis à part que dans mon where, j'ai une condition un peu plus restrictive, je vais m'intéresser qu'à ceux où je suis le destinataire, puisque ceux où je suis l'expéditeur, j'ai forcément lu, hein, puisque c'est les messages que moi, j'ai pas lu, hein, ce n'est pas les messages que j'ai envoyés et que l'autre n'a pas lu. C'est non lu par lui, bien sûr. Hein. On pourrait imaginer qu'on a une fonction où le nombre de messages qu'on a envoyé, personne n'a lu, ça pourrait servir dans ce genre d'application. Et donc le non lu, ben, c'est il me semble que l'information, c'est date lecture. Quand il est non lu, là je dirais que c'est 10 minutes. Ah, la date lecture doit être nulle, il n'est pas lu. Donc si on n'est pas sûr que, c'est, qu'on a mis, que les dates lectures vont toujours être nulles, que des fois ça va être 000-000, ben, on fait le 1 or pour essayer deux valeurs. Si on a mis. OK. Donc là ensuite, hein, j'ai la même chose, je compte sur son. Donc, je retourne le compte. Donc, lui, ça me retournera bien à mon compte. Et donc, j'aurai bien ici mon affichage nombre de messages non lus que je pourrai, avec mon CSS,
mettre en joli un petit placé un peu sur l'icône des messages. Et que je pourrais manipuler en JavaScript, hein, puisqu'il suffira en JavaScript que j'ai un système qui, toutes les secondes, par exemple, aille récupérer cette information-là, et j'aurais plus qu'à changer le contenu du span pour que mon JavaScript le fasse. Hein. Donc là, pour que mon entête devienne dynamique, j'ai absolument rien à changer sur mon PHP. Donc, j'aurais besoin de faire une URL PHP qui récupère que cette information-là, mais à part ça, il n'y a rien à faire. OK? Répondez, parce que vous vous rappelez que si vous ne répondez pas, j'enchaîne. Hein. Et que si on me laisse en roue libre, j'accélère. Hein. Moi, je suis en descente tout le temps. Hein. Faites gaffe quand même. Si vous ne m'arrêtez pas, c'est bien vite. Hein. Si vous avez tout compris, on peut faire l'objet avancé après la pause. Python en début d'après-midi, Java en fin d'après-midi. Hein. Bah, si vous êtes à l'aise, c'est des rôles ligues à peine gratuits. Python, Java, vous avez une sorte de syntaxe, c'est tout. Hein. Java, vous connaissez pas. Comme Java. Donc c'est bon. Allez, c'est bon. Non, mais il y en a qui ont des choses un peu plus là-dedans. Vous avez un peu de temps pour lire ce que j'ai écrit. Vous avez un peu de temps pour lire ce que j'ai écrit. Vous laissez le temps. Hein? Je laisse le temps de leur lire tout seul déjà, mais il y a un petit peu. Donc je vous laisse un petit peu de temps. C'est sur le serveur. Parce que je ne peux pas vous afficher tout en même temps. Hein. Donc il faut les prendre sur le serveur. Si effectivement vous le copiez-collez tel quel, vous oubliez de faire une modif, vous n'avez pas compris, déjà vous avez compris, vous oubliez de faire des modifs, des adaptations à présent, de cas précis, du coup ça plantera, et si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, et pourquoi vous voulez faire, ben vous n'arrivez pas à trouver le bug. Thank you.
vous avez des questions, vous demandez. Hein, si vous avez des questions, vous me dites qu'on passe à la chose d'autre. Hein.
Index, ça nous déconnecte automatiquement. Non, parce que j'ai pas mis en index. Ça nous déconnecte. Oh, oui, mais là, j'ai mis que sur la page de connexion. Non, sur la page de connexion. Ah, non, non, là, sur index, j'ai mis 3 comptes parce que j'étais à côté collé. Non, bah non, parce que sinon, on ne déconnecte pas. Ouais, par contre, je mets sur la page de connexion, alors on n'est pas obligé. Mais comme tout à l'heure, on a fait le choix que quand on clique sur déconnexion, on se contente d'appeler le contrôleur et la page de connexion. Du coup, je le fais déconnecter. Mais c'est souvent comme ça. Hein. La personne qui branche une application, c'est par accident, vous revenez dans la connexion, vous êtes amené à se tromper en arrière ou un champ, en fait, vous êtes tout à l'heure. Et il peut se mettre sur un bouton. Oui, mais c'est non, mais il se met sur n'importe où. Non, mais il est sur un bouton, là. Oui, oui. D'accord. Mais par contre, il faut forcément, quand je connais, j'appelle un contrôleur. Il faut de toute façon, la commande déconnecte, mais forcément, un contrôleur PHP, qui peut être un AJAX. Hein. Je pourrais très bien avoir un bouton ici, quand je vais déconnecter. Ça se contente de faire une requête AJAX, il ne change rien sur l'écran. Bon, ça change rien sur l'écran, c'est bon, parce que ça laisse ça. En général, quand on se déconnecte, on va forcément réafficher, parce qu'on a un gros changement d'écran, en général, c'est pas de l'AJAX, mais ça pourrait être fait. Par contre, l'avantage d'avoir une fonction qui déconnecte, hein, c'est qu'en plus, si j'ai un doute quelque part, je me dis, tiens, la déconnexion, c'est quand même un truc qui doit être relativement fort. Du coup, mais sur l'index, non. Là, je n'ai que sur la page de connexion. C'est-à-dire que ça me permet, quand je clique sur déconnecter ici, je ne fais pas un contrôleur spécial, en fait, je demande une nouvelle connexion. N'oubliez pas de me laisser un grand commentaire.
Thank you.
Ça va, on peut avancer? Qui a des soucis encore? Ouais, personne? Ça va, ça va pas clair? Bon. Donc, on va essayer. Alors, on va avancer un peu. Déjà, on va faire ce qu'il faut pour que je commence à faire un peu du code pour pas taper trop, pour pas en avoir trop à taper les choses faciles. Donc, on va effectivement aller tester ça. On va finaliser la connexion. On va le faire parce qu'on en a besoin pour tester ça. Donc, on va finaliser la connexion. Et puis après, on ira faire un petit Ajax pour rendre ça dynamique, compliquer ça. Alors, du coup, pour réussir à tester, on va besoin de faire une partie de contrôleur et de page, on n'a pas le choix. Donc, sur mon schéma, je vais faire la page d'accueil, en simplifié, je vais m'occuper de la liste. On va tester cette page d'accueil-là. On va du coup faire la page de connexion. Hein, de créer un compte, on va laisser tomber, on va venir à terme à la base pour l'instant. On va créer la page de connexion, donc avec la vérification des codes. On va créer une des pages là, donc j'ai fait celle-là en fait, j'ai fait celle-là peut-être. Enfin, on va faire qu'il se passe quelque chose derrière la vérification des codes. Je suis en train de voir qu'il me manque un mot là, parce que les cas n'ont pas été. Donc on va faire la vérification des codes, et puis normalement c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc le contrôleur, donc j'ai fait quelques contrôleurs, j'ai fait le contrôleur index. Donc le contrôleur index, donc c'est la contrôleur d'arrivée sur l'application, hein. Ses paramètres c'est néant, ça on l'a décrit ici. Enfin, le contrôleur, ça on l'a décrit ici, hein. J'ai de la page d'accueil néant. D'accord. Donc je l'initialise, mon index, je n'impose pas une connexion, donc je ne passe pas pour une chose qui impose la connexion, hein, puisque l'index tout le monde a droit. Ça fera des affichages différents si on est connecté, hein. Dire que dans notre schéma ici, on a mis que l'accueil, on avait ce menu là au-dessus. Mais en réalité, si on utilise notre header standard, on va avoir le bandeau correspondant à la personne. Donc quand il arrivera quand même sur une liste de concert, mais il aura bien son bandeau avec ce message avec tout ça. Ce sera cohérent. Ce sera plein d'informations.
Donc, notre contrôleur, il fait ça. Et ensuite, il va se contenter d'afficher la page unité de concert. Donc, la page liste concert, je regarde où elle est. C'est celle que j'ai demandé. Donc, j'affiche la page liste concert parce que c'est ce que j'ai en cette doc-là. Avant, j'ai la construction de la liste du prochain concert à faire. Donc, cette construction, pour l'instant, vu que je n'ai pas les objets métiers et que je veux aller faire une démonstration d'autre chose, bah, je fais une liste vide. Donc, comme ça, que mon template soit fait ou pas fait, je pourrais quand même passer une liste, ça marchera. On essaye toujours de faire qu'on puisse faire les choses une par une, comme ça c'est facile de faire le test. Et j'inclus mon liste concert. Ce template-là, puisque je l'ai inclus, j'ai dû le faire. Donc, j'ai fait le template de la page de concert. Donc, attends bien de la liste, hein, c'est-à-dire que les interfaces entre les objets, autant un objet, je peux le simplifier dans un premier temps, enfin un objet, un programme au sens large, hein, autant les interfaces entre les programmes, je préfère les faire directement bien, parce qu'après, c'est vite compliqué si on les change. Donc, du coup, on a essayé que ça attend des listes, ça attend liste. C'est pour ça que je ne fais pas le fil, mais en plus, ça ne fait pas mon service. Donc, pour l'instant, je ne mets que l'entête, et derrière, je laisse tomber la liste, parce que de toute façon, je n'ai pas fait, donc je n'irai pas compliquer. Donc là, il n'y a pas de suite à se donner, hein, c'est un petit mot template, l'entête, c'est bon. Qui, on a vu tout à l'heure, hein, maintenant, on va se débrouiller, si on si ne fait pas tromper. Donc, on va revenir sur notre. Donc ce qui m'intéresse sur ma page d'accueil, ça va être le bouton se connecter, quand ils sont connectés. Donc le bouton se connecter, il appelle le contrôleur forme connexion. Donc contrôleur forme connexion, voilà, c'est ce contrôleur-là, il ne reçoit pas de paramètres. Donc j'ai fait le contrôleur forme connexion. Pourquoi j'ai un dit? Donc, le contrôleur forme connexion, c'est la demande de la page de connexion. Il n'y a pas besoin de paramètres, comme ça, on avait déjà réfléchi. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il fait le init de base. On ne recuire pas non plus la connexion, hein, parce qu'heureusement, pour se connecter, on n'a pas besoin de connecter, on a plus longtemps à pas y être. On va dire que par sécurité, on commence par se déconnecter. Rappelez-vous, en plus, on a fait tout à l'heure, quand on a fait notre menu déconnexion, on l'a fait appeler ce contrôleur-là. Donc, c'est mieux que ce contrôleur déconnecte, parce que sinon, on ne peut pas. Sinon, je déconnecte, puis en fait, en réalité, mon PC, j'éteins mon PC, du coup, je ne suis pas déconnecté. Donc, je déconnecte pour être sûr, quand je passe par là, je suis déconnecté. Et puis, j'inclus le formulaire de connexion. Je n'ai rien de plus à faire, hein, ce formulaire-là, c'est un formulaire qui affiche. C'est un contrôleur qui affiche quelque chose de statique, hein, toujours pareil, donc je n'ai rien à faire. Il y a un petit peu de dynamique à travers l'utilisateur connecté ou pas, mais là, en plus, on n'en aura plus. Alors, du coup, mon template de page, c'est ma page de connexion. Donc, pas de template de ma page de connexion, un template de page complète. Qui, pour l'instant, n'a pas besoin de variables, on lui donne de paramètres. On verra quand même que ça pourra peut-être gérer une message d'erreur. Donc, il affiche le titre, le header, toujours pareil. Hein. Donc, si on est déjà connecté, mais non, il ne sera pas. Donc, alors, le header, effectivement, il faudrait être un peu plus fin parce que ça veut dire que notre header, du coup, il va afficher mieux connecté sur la page de connexion. C'est pas grave. Alors, des fois, sur les pages de connexion, on les fait complètement différemment, on centre le truc au milieu de la page, on met plus les antennes. Par contre, si on ne veut pas se connecter, le problème de faire cette solution-là sur ce type de site, c'est que si on ne veut pas se connecter, bah, on est sur une page, on n'a plus rien. Donc, il faut quand même trouver quelque chose. En tout cas, on pourrait faire une antenne spéciale. Et puis ensuite, effectivement, un poste classique. Donc, quand on voit l'action, c'est mon contrôleur. Hein. Donc, mon contrôleur, ici, l'action, se connecter, donc ce fameux contrôleur connecté. Contrôleur connecté qu'on a déjà réfléchi, d'accord, qui envoie que du poste login password. Du coup, je n'ai pas de get. Donc, mon URL de l'action, c'est bien connecté.php. Mon formulaire, on met top post en classique. Et il a deux variables à générer, hein, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il envoie email password. Alors, je vais prendre email password. Vidéo. Voilà. Donc, il envoie email, password, les deux variables qu'on attend. Donc, le label, le truc classique. Hein. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas pré-rentré les valeurs, on va le faire ensemble. Hein, de dire en question, c'est trompé, comment ça se passe. Et j'envoie sur connecté. Donc, j'ai fait l'URL connecté. D'accord. Donc, le contrôleur qui gère la connexion, qui reçoit en poste l'email et le password. Lui, toujours pareil, il n'a que l'inbuilt, l'ibinit. Je ne suis pas encore connecté, donc je ne peux pas imposer une connexion, puisque là,
par définition, je ne déconnecte pas. Je n'en ai même pas, puisque quand je ne suis pas déconnecteur, je n'en ai plus. Je redéconnecte aussi en dur, comme ça, si on rentre dedans par un autre chemin, par n'importe quoi, bon, ça évitera qu'on se retrouve avec des choses qui traversent la connexion. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est toujours plus présent. Les sécurités sont toujours plus présentes de les mettre partout pour être sûr qu'on ne passe pas à côté. Hein, quand je pose la question. Je récupère mon poste dans deux variables. Je vais devoir tester les codes. La classe qui va s'occuper de ça, logiquement, c'est la classe utilisateur. Hein, c'est elle qui a la notion des codes de connexion, c'est elle qui sait où ils sont rangés. Donc, c'est elle qui va s'occuper de cette notion-là. Donc, je charge un utilisateur. Je vais le doter d'une méthode vérifie qui reçoit l'email que j'ai testé et le password et qui va, en retour, me donner un utilisateur initialisé si ça marchait. Qui va me retourner true ou false si ça marchait ou pas, ça va détailler. Hein, et qui, par contre, si c'est initialisé, va laisser l'utilisateur initialisé. Donc, l'utilisateur, si jamais il est conforme, il sera là, il sera chargé. Ça, on va la revenir à détailler. Donc, si la vérification a marché, je vais dire qu'il est connecté, l'utilisateur. Donc, je vais me doter d'une fonction connect dans mes sessions, hein, comme je me suis fait une fonction déconnect, que je vais aller vous montrer. Et puis, je vais afficher la page qu'on a décrite ici, c'est-à-dire quand on est connecté, après la connexion, si ça réussit. Alors, on affiche, alors là, on a fait le choix entre deux, hein, pardon. Du coup, j'aurais dû faire mes conversations. Donc, effectivement, je ferme mes conversations. D'ailleurs, ça me dit ce que je fais. Je vais corriger en direct parce que je n'ai pas respecté le cahier des charges. Et qu'est-ce qu'on attend dans mes conversations? C'est une page qu'on n'a pas encore faite, mais qu'on a écrite. On a dit qu'on a besoin de paramètres. Donc, mais. Donc, j'affiche mes conversations, donc on ne pas du coup. Maintenant, je suis en train de me tromper. Là, je vais regarder le template. Pardon, le template, c'est liste de conversations. Et donc, il faut que ce soit une liste de conversation. Liste conversation. Et du coup, en entrée, il faut qu'il y ait une liste. Donc, pour l'instant, on va la mettre à vide. Sinon, si on a échoué la connexion, on réaffiche le formulaire de connexion. On revient sur ça. D'accord ? Alors, j'ai introduit deux nouvelles fonctions dans ma session. J'ai introduit connect et déconnect. Donc, déconnect, le fait d'être connecté, c'est marqué par le fait que j'ai $session connecté qui est égal à true ou qui est égal à false. Donc, du coup, pour déconnecter, je force ma connexion à false. J'ai pas grand chose, j'ai pas beaucoup de questions. D'accord. Et maintenant, par contre, j'ai aussi fait une fonction connect. Donc, il me faut une fonction pour connecter, une fonction pour étudier. Hein. Donc, son rôle. C'est connecter un utilisateur. Son retour, c'est bien, on a pas besoin de voir au moment de la connecter, on n'a pas besoin de voir ce qui s'est passé. Et ses paramètres, il a connecté un utilisateur. Il faut du coup, je lui passe un utilisateur. Puisque pour connecter un utilisateur, je vais poser sur un utilisateur. Là, c'est pas l'utilisateur connecté, parce que c'est pas encore fait. Et du coup, je peux passer quoi? Un IT, un objet, etc. De toute façon, pour aller vérifier les codes, j'aurai besoin de travailler avec un objet, donc j'aurai probablement un objet sous la main. Donc, quand j'ai un objet, autant donner l'information complète, je vais donner un objet utilisateur. D'accord ? Donc, dans ma fonction connectée, la fameuse connect
que j'utilise, je vais bien passer l'objet utilisateur que j'avais géré avant. Donc pour faire ça, la connecter, c'est quoi? La connexion, c'est principalement de dire que je suis connecté. C'est de mettre à jour l'ID utilisateur, parce que là, j'avais peut-être eu la dernière connexion sur la planète, pour avoir une connexion par défaut. Donc mon ID utilisateur, donc mon dollar session de user, il faut que je mette l'ID. L'ID, ce dollar, pardon, je ne vais pas porter dollar utilisateur aussi. C'est dollar utilisateur get ID. D'accord, on va chercher son ID. Et puis, j'ai aussi une variable globale que je m'amuse à initialiser en allant dans la base quand j'ai des choses à faire. Bon, là, j'ai un utilisateur que j'ai sous la main. Je peux en profiter pour le mettre dans la variable globale. Et du coup, je vais être dans la merde avec ma variable. Donc, mon variable globale d'utilisateur, je ne peux pas aller chercher sur le nom utilisateur que j'en ai pas un. Je vais devoir, dedans, je vais lui stocker tout de suite l'utilisateur que j'ai. Parce que ce ne sera pas la peine d'aller recharger l'objet pour rien quand j'irai le chercher. Ça, si je l'oublie, c'est pas grave, hein, ça sera ici. Ok ? Cette fonction-là, on a retourné en, donc on retourne en. Donc la connexion, la déconnexion, vous hein, voyez, l'action de connecter, alors après, il y a vérifier les codes. Mais la connexion des connexions, c'est vraiment pas grand-chose, puisque c'est uniquement quelques informations qu'on met dans la session, et éventuellement dans les variables globales, qu'on met dans la session, surtout c'est la différentielle. Donc c'est que enlever et mettre une information. Après, il y a effectivement besoin de vérifier les codes, et là, c'est le rôle de la classe utilisateur, puisque c'est comme les codes, c'est pas le rôle de la connexion. Donc, vérifier les codes dans notre classe utilisateur. Alors, je vais enlever un peu ce qui ne sert pas, quand même. Parce que... Et voilà. Donc connecter, on a aussi fabriqué, là, on s'est servi de utilisateur vérifié. De notre classe utilisateur, il faut qu'on fasse la vérification. Supposer qu'on lui passe un password et un email, mais bon. Classique, a priori, pour vérifier. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais vérifier. Je me contente de me dire, il faut que je fasse une fonction. À la limite, quelle que soit la méthode, j'aurai la même fonction, la même méthode, qui pourra utiliser toujours la même, que le mot de passe soit crypté ou pas, que les emails soient uniques ou pas, que ce soit, enfin, quelque chose. Donc, le rôle, vérifier un utilisateur à cet email et faut passer son mot de passe. Et on va un peu affiner le rôle, hein, puisqu'on veut le charger dans l'objet courant. Si oui. D'accord. Donc, notre retour. Trouve si oui, false, sinon, et nos paramètres. On veut bien tester à l'utilisateur un email et un mot de passe. Donc, du coup, c'est bien les paramètres qu'on avait prévus, il n'y a pas besoin qu'on ait besoin d'autres. Dollar mail, on va tester. Dollar password. Là, pour l'instant, on travaille des mots de passe pas cryptés. Mais on va quand même utiliser la même méthode pour ne pas avoir de tout. Donc, il faut chercher l'utilisateur
il y a cet email. On suppose, on devra s'assurer du mail unique. Hein. Alors on pourrait effectivement autoriser un login pas unique et de se dire ben on va chercher celui, si on a un qui a cet email et ce mot de passe. Je vous déconseille quand même cette méthode. Parce que d'une part, ça veut dire qu'on ne gère pas le site d'email, c'est pas très simple. Et puis en plus, ça veut dire que globalement, d'un seul coup, quand quelqu'un a changé son mot de passe, il va se retrouver coincé par le mot de passe de l'autre. Ou alors, je me trompe de. J'ai mis presque le même mot de passe qu'un autre. À un moment donné, je me trompe, je tombe sur le compte de l'autre. Donc, ce serait quand même vraiment catastrophique. Donc, effectivement, le login, qu'on utilise comme login, on va, quand on fait les mises à jour de l'objet utilisateur, on va s'assurer que c'est bon. On interdira la mise à jour, on interdira d'avoir deux comptes pour le même email. Ça. Enfin, on ira enrichir l'objet utilisateur pour que ce soit serré. Hop. Donc, pour chercher ça, bah, c'est quand même SQL à construire. C'est un select. Je vais vouloir charger l'objet, donc je vais tout récupérer. From ma table utilisateur. Et le where, là, c'est pas sur l'ID. C'est le where, c'est sur email. Alors je ne mets pas le where. Alors je pourrais effectivement faire une recherche avec une affaire qui a cet email et quel password directement. Ça, si on ne ressort pas de ligne, c'est pas bon. Donc ça marcherait parfaitement dans ce cas-là. Alors ça ne me permettrait pas de savoir si c'est l'email qui n'est pas valide ou si c'est le password qui n'est pas valide, mais de toute façon c'est une information qu'il vaut mieux pas donner. Donc c'est pas très grave. Donc le seul inconvénient, c'est que quand le password est encrypté, on pourra plus faire comme ça. Quand le password est encrypté, on va aller chercher le bon utilisateur et puis ensuite de faire des opérations sur le password pour vérifier qu'il est bon. Du coup, le chargement, autant les charger que par rapport à celui qu'il y a. Donc, je passe ma requête, le truc habituel, donc que j'ai à 50 endroits déjà, normalement. Je passe ma requête. Select. Donc, le SQL, pardon, il faut que je fasse mon param quand même. Mon param, il faut que je lui donne 2.email. D'accord. Pour finir cette fonction-là, je libère. Je récupère la première ligne. Donc la première ligne, c'est de la règle. Si cette ligne elle est false, on n'a pas trouvé de ligne, c'est qu'on n'a pas, c'est que le mot de passe n'existe pas. Enfin, c'est que le login n'existe pas, pardon. Donc, si $ligne est égal à false, là, je peux directement rentrer le pas. Sinon, si ma ligne n'est pas égale à false, donc là je vais tourner, je vais filmer. Là je vais comparer le mot de passe. Il faut $ligne password égale $password. Si c'est égal, ok, on a trouvé. Donc si on a trouvé, ben, je vais voir, je vais charger l'utilisateur avec ma ligne. Voilà, je vais charger avec la ligne de faire récupérer, de manière à avoir l'utilisateur complètement chargé en moi. Et puis je vais retourner tout. Je veux dire que j'ai trouvé. Et sinon, hein, si on n'a pas trouvé.
la carte, on la passe, on se pas l'objet, ça va être compliqué. Ok. Donc là, notre process de connexion est entièrement finalisé. On a tous les outils pour accéder à l'utilisateur, on a resté les fois sur nos menus, et on a finalisé complètement le process de connexion. Donc, quelques petits messages d'erreur d'un volume près, en tout cas, il fonctionne bien. Donc du coup, on va pouvoir manger la conscience. Moi, j'aime pas manger des failles. Bon, là, ça ne prend pas de failles, puisqu'il y a de fortes chances que quand on lance, de toute façon, ça passe des erreurs fatales et tout passe en l'air. On a un peu beaucoup de code pour tester. Thank you.